Et le héros du procès Schwarzbard, indépendamment de Schwarzbard, c'était Torres. Et Torres a été mon patron, mon maître, chez lequel je suis rentré, pour ainsi dire, dès mes débuts au barreau, qui m'a tout appris. Donc l'affaire Schwarzbard et la naissance de la LICA, qui ne s'appelait pas la LICRA, elles m'ont accompagné tout au long de ma jeunesse. Et la dernière affaire que j'aurais plaidée, c'est pour la LICRA contre Faurisson. Le lendemain, j'étais nommé ministre. Je peux dire qu'entre l'origine, le moment où je commence, et la fin de ma carrière, il y a toujours la LICRA présente. Pour l'essentiel, aujourd'hui, c'est l'antisionisme qu'on dénonce, c'est l'antisionisme qui se manifeste, c'est une forme de l'antisémitisme camouflé. Alors, soyons lucides et disons non. N'acceptons pas cet antisionisme qui camoufle l'antisémitisme. Ce n'est pas pour autant que nous devons approuver, chacun d'entre nous, le gouvernement d'Israël dans toutes ses actions. Ce n'est pas le fait de l'ICRA. Mais pour l'essentiel, je le dis clairement, il faut démasquer ce qui se cache derrière l'antisionisme et qui est toujours l'antisémitisme. Alors ça posera des problèmes aux jeunes générations. J'en suis très conscient. Ça posera des problèmes aux jeunes générations parce que, tout simplement parce que l'État d'Israël n'a pas résolu la question des droits des Palestiniens. Ce n'est pas à nous ici de porter la critique à cet égard sur ce que font ou ne font pas les autorités israéliennes. Pas facile. Proche-Orient, de faire triompher les droits de l'homme et l'état de droit. Pas facile. Mais je dis toujours, mon frère peut avoir tort, mais c'est mon frère. Cher Robert Badinter, permettez au nom de la Fédération de Paris de la LICRA de vous remettre, alors c'est très symbolique, mais voilà, c'est une espèce de diplôme de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme de la Fédération de Paris et le prix spécial du jury 2022. Vous êtes adressé pour l'ensemble de votre œuvre et qui est une œuvre multiple, qui est une œuvre d'abord professionnelle en tant qu'avocat engagé, avocat de la LICRA, qui est une œuvre politique en tant que ministre, où vous avez contribué à des avancées sociétales immenses pour la France, qui est une œuvre aussi en qualité de président du Conseil constitutionnel, avec des avancées justement sur la norme constitutionnelle dans notre pays, une œuvre également politique, mais cette fois-ci en tant que parlementaire, et enfin, j'oserais dire, une œuvre littéraire multiple. Pour ma part, j'ai rencontré cette œuvre littéraire avec ce livre de chevet pour tout étudiant se destinant à la profession d'avocat au pénal, qui est l'exécution. Ma vie s'est déroulée, je n'ose dire, à l'ombre, au soleil de la LICRA, et que maintenant qu'elle s'achève, recevoir un prix de la LICRA, c'est pour moi une récompense, la seule que j'aurais souhaité avoir de la LICRA, mais la plus importante. Voilà. Merci, merci mille fois. Qui est le parti latin pendant une semaine.
de deux auteurs, et qui, me paraît extraordinaire, traite d'un sujet pareil, si je puis dire. Et donc, nous allons leur remettre le prix littéraire de l'ELICRA Paris 2022, et notre président, David Olivier Gabassini, tout à l'heure, vous parlera d'un prix spécial du jury, dont je suis président. Et c'est à lui qu'on viendra l'honneur de vous parler de ce prix dont on peut dire qu'il est non seulement spécial, mais très spécial. Alors, on a été très émus, comme beaucoup d'entre vous et pour toutes et tous, de la disparition récente des Libyens. Et nous nous sommes dit que les témoins de la Shoah, hélas, seront un jour physiquement absent. On vient de terminer le 15e salon du livre à l'ICRA. Je veux remercier Sistasi, surtout remercier Maître David Kaminski, David Kaminski, merci beaucoup. Jordan aussi, merci, vas-y, merci. Et également, je veux remercier mon maître, notre maître Jean-Pierre Alain. Maître, merci beaucoup et à très bientôt.